spectateurs et vous les internautes qui avez pris conscience de suivre cette émission, écoutons le pasteur sur la RTVA. Nous voici au poste du devoir pour cette émission et aujourd'hui nous avons encore invité le révérend Barouti. C'est avec lui que nous passons cette émission et il est sur le plateau. Nous allons commencer par le saluer et lui présenter les civilités. Et à vous qui nous suivez, soyez branchés, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette émission. Et c'est sûr qu'à la fin de cette émission, chacun, vous et nous aurons les bénéfices de cette grande émission sur la RTVA. Écoutons le pasteur. Pasteur, bonjour. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Et pasteur, je crois que vous êtes assez fort parce que vous revenez d'un voyage assez délicat. Nous allons en parler au cours de cette émission. Vous êtes au point pour cette émission? Bien sûr, bien sûr. Je sais que la RTVA a toujours fait du bien au pasteur Barouti. Les gens doivent savoir qui est le pasteur Barouti. Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Donc, merci beaucoup d'être venu. Donc, j'attends. Okay. Je ne suis pas fatigué. Okay. Le pasteur Barouti est là. Et pasteur, nous allons commencer par l'actualité. Cette actualité qui est en train de surplomber le monde entier. Les réseaux sociaux sont pleins avec ce qui s'est passé à Katakokombe, au Kasaï, avec la présence du pasteur Barouti dans ce coin du pays. Le Seigneur a agi puissamment et nous allons en parler. C'est l'actualité du moment. Pasteur, vous venez des États-Unis. Oui. Et là, dans la ville de Dallas, oui, l'une des plus jolies villes du monde. Sitôt arrivé à Kinshasa, vous ne prêchez même pas à votre église, on vous voit dans le rue de Katakokombe. Comment vous avez supporté ce décalage? Mon Dieu, je suis un palmier planté en Afrique. Vous savez, le Canada, c'est vraiment oui. Les États-Unis, c'est plus que le Canada. C'est bien construit. Oui. Et puis, ils sont splendides. Oui, et propre. Et propre, oui. Il n'y a pas des immondices. Dans la ville. Mais j'aime le Congo. Le Congo, c'est ma patrie. La RDC, c'est mon pays. RDC, le quoi, ma kasi. La Guyotica RDC. Et je suis là parce que j'aime la RDC. Donc, je devais aller à Katako. Pourquoi? C'est quand j'avais donné mon salaire, tout mon salaire, quand j'avais commencé à travailler à la SGA, Société Générale d'Alimentation, on me payait comme un blanc. Donc on vous donne un petit salaire là de. Et puis on ajoute. VC, veut dire Vichère. C'est ce qu'on donnait aux Blancs. On ne suivait pas un peu notre. Comment dire, ce qu'on devait payer aux Congolais. Mais moi, j'avais le salaire d'un Blanc. Avec lequel je pouvais acheter un véhicule tout à fait neuf. J'ai pris ce salaire-là, ma mère m'a dit, tu vas donner à toi, donc le petit frère à mon père, Barouti Léo Moulamba. Et je lui ai donné cette enveloppe. Il avait 82 ans. Il m'a dit, Léonard, il a compté. Il dit, eh? C'est ta mère qui t'a dit de me donner ça. J'ai dit, oui, c'est maman. Alors, il m'avait béni. Il avait craché sur moi. Il m'a dit de m'agenouiller, oui, j'étais à genoux. Et il m'a dit, tu es béni. Je te bénis plus que tous les enfants. Barouti. Tu auras beaucoup d'argent. Tu réussiras dans tout ce que tu feras.
Je change ton nom. Maintenant, tu t'appelles Penenjadi. C'était le nom du chef qui était à Katakokombe. Nous venons de Katakokombe. C'est ça la source de vos arrière-grands-parents. Oui, mes parents, arrière-grands-parents viennent de Katakokombe. Et nous sommes des Arabisés. Oh. J'ai dit, mais est-ce que je ne peux pas aller à Katakokombe quand je suis revenu? Et le pasteur Charles Lobanji, l'évêque de Sankourou, m'a dit, je peux le faire pour toi. Maintenant, je peux t'aider quand tu viendras chez nous d'aller directement à Katakokombe. J'ai dit, mon Dieu, quel bonheur. Parce que un être vivant doit connaître ses origines. Et quand j'étais parti, c'est parce que j'aime Katakokombe plus que là d'où je suis venu, donc Dallas, Charlotte, je ne sais pas, Montréal, tout ça. Moi, je suis de Katakokombe. Il faut que je parte. Il faut que je voie mes ancêtres. C'est là où ils vivaient. Vous aviez la pensée d'aller convertir vos frères là-bas avant l'enlèvement ou simplement un tourisme pour aller les rencontrer? Ah, c'est pas du tourisme. J'étais parti. Il fallait que j'arrive à la terre de mes ancêtres. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier que vous avez vu là-bas? Oh mon Dieu! Parce que c'est pratiquement l'arche de la forêt équatoriale, hein? Oui! Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il n'y a rien de finesse à voir la petite ville de Katakombe. Il n'y a rien de finesse. Mais qu'est-ce qui vous a attiré de particulier? L'accueil. Ah bon? Je me suis mis à genoux, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Je suis arrivé à Katakombe. J'ai pleuré à genoux, j'ai remercié Dieu. En fait, pasteur, ces images-là de pasteur Barout à genoux, les mains levées, c'est... Vous dites que vous avez remercié le Seigneur. Oui. Mais le fait de se mettre à genoux au village de ses ancêtres, ce n'est pas de l'idolâtrie, ça, pasteur. Parce que non. On s'agenouille que devant Dieu. Non. Et vous, vous êtes à genoux sur la terre, en reconnaissance de vos ancêtres. Oui, non. Pas du tout, parce que c'est biblique. Mm-hmm. Abraham l'a fait ou c'est Moïse? Tous. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Quand Abraham lui avait dit d'aller enterrer sa femme, il est allé là où Dieu lui avait montré. Il dit, cette terre ici, je vous la donne. C'est là où il avait enterré sa femme. Et si on va du côté de Moïse, oh, Moïse est allé jusque chez lui. Il a quitté Pharaon, il a quitté les Égyptiens, alors qu'il était grand. Il voulait atteindre Israël, Palestine. Pourquoi? C'est le pays de ses ancêtres. Ses ancêtres venaient de Palestine. Ce n'est pas une petite chose. Abraham, Moïse. Il y a même Joseph qui a demandé qu'on ramène ses os. Hein? Joseph a dit qu'on ramène mes os où? Pays de ses ancêtres. Oui. D'où il était venu. Il avait quitté son père, sa mère, ses frères jaloux l'avaient vendu en Égypte. Il a dit, nous aurons
ce retour-là un jour, nous allons retourner en Israël, notre propre nation. N'oubliez pas, même si je meurs, prenez mes ossements. Retournez ça là-bas. Pour faire quoi? Ah, c'est pour rester à côté de ses ancêtres. À cette époque-là, parce qu'il savait que pour l'enlèvement, c'est ce côté-là qui sera enlevé. Parce que ces gens-là connaissaient le véritable Dieu. Alors que Pharaon ne connaissait pas de Dieu. Donc il devait retourner là-bas. Et il est rentré là-bas. Il est mort. Qui ça? Où? En Israël. Il a partagé. Jésus a partagé Israël. Il s'est combattu. Il a combattu ces gens-là. Il a souffert pour le terrain de ses ancêtres. Qui encore? Ah, c'est la Bible, c'est un perpétuel recommencement. Hein? Bien sûr. Donc ce sont les choses de la Bible que. Mais alors par catacombe, les gens ne connaissent pas ça, même dans la carte, on ne voit pas. Hein? Mais comment on vous accueille? Cette ville perdue dans la carte. On en parle de pas de la carte. C'est à côté de la forêt. Mais la RDC. Comment vous avez trouvé l'accueil de ce peuple-là? Ce peuple m'a accueilli comme un prince. Ah bon? Oui. Un fils du terroir qui rentre. Oui. Leur fils. Des enfants. Avaient des rameaux. Les jeunes gens avaient des rameaux. Les adultes n'en parlent pas. Toutes les confessions religieuses confondues. Oui. Ils voyaient en eux seulement un fils du pays qui revient. Pour eux, la région n'est pas là. Ils ne comptaient pas. Ce n'était pas la région à la région qui regardait. Ils voyaient le fils du pays qui est rentré. Qui revient. Qui revient chez lui. Et ça, c'est sûr, avec la complicité du pasteur Charles de Loja. Il doit y être parmi les complices. Un vrai complice. Que Dieu bénisse Pasteur Charles. Le manche. L'évêque de Sankourou. Sans lui, je ne serais pas allé là-bas. Quelle bénédiction. J'ai été accueilli comme si j'étais, je dirais, un roi. J'élève un peu un prince là, j'ai dit roi. Le roi est rentré. Le roi David est rentré au pays. Et le roi David a dansé. On vous a vu vraiment dans votre joie extrême. Hein? J'ai dansé avec eux. Maintenant, je sais comment ont été la danse. C'était merveilleux. Je ne pouvais jamais imaginer un tel accueil. C'était trop chaleureux. J'utilise le mot trop. Et ils ont construit une maison pour moi. Là-bas? Oui. Mais vous allez y habiter quand? Ah, c'est là où j'étais logé. Ah, donc une maison construite pour la circonstance. Pour la circonstance. Ah, bon. À vous penser que j'irai à Katako tous les jours. Ça allait étonner tout le monde qui sait qui nous suivent maintenant. Donc c'était une maison construite pour vous, oui. Pour la circonstance. Oui. Ah, ok. Très belle maison. Une bonne douche, toilette, n'en parlons pas. Vous chassez l'eau, ça part. C'était en étage. À Katako, une maison en étage. À Katako, comme. C'est comme si ce n'était pas vrai. Mais c'est vrai. J'ai été très, très bien reçu. Et j'ai dit, est-ce que je vais retourner encore à quelque chose? J'avais cette pensée-là de rester là-bas.
Un tout petit peu, voilà. Est-ce que vous vous rendez bien compte ici? Vous n'aviez fait que 45 jours aux États-Unis. Vous avez vu que, surtout à Babu de Tabernacle, c'était de la mer à boire. C'était difficile que les frères et sœurs supportent votre absence de 45 jours. Donc, revenons à Katako, pasteur. Sur le plan spirituel, comment vous avez trouvé? J'ai trouvé, il y avait une petite église du message. Le nom du pasteur était le pasteur Abraham. Bon. À part ça, toutes les églises de Katako, de Katako étaient avec nous. Ils ne sont pas venus pour montrer que nous sommes. Ah bon, il faudrait qu'on fasse la différence. C'est-à-dire, le peuple de Katako ne vous a pas accueilli dans le sens de venir dans l'église. Non. Vous avez été accueilli dans le sens du fils du pays qui revient. Qui revient. Et vous aviez quelque chose à leur donner. Oui, c'est Jésus. Alors, des milliers de personnes sur la route, des motos, des voitures, ils ont coupé les arbres pour frayer le chemin. Katako a souffert parce qu'il n'y a plus de route. Oui, les routes n'en ont pas. C'est difficile. Mais j'ai roulé. J'étais avec eux. Ils parlaient souvent d'un ministre là, du gouvernement. Je ne veux pas citer son nom. Et ce ministre du gouvernement avait donné de l'argent pour me soutenir là-bas. Oui, c'est lui qui avait fait le stade là. Aujourd'hui, il est ministre dans le gouvernement. C'est beau. Donc, reçu chez moi. J'étais reçu chez moi. Katako, c'est chez moi. Comme un enfant du terroir. Oui. Nous sommes dans le domaine spirituel, pasteur. Les chiffres que vous avez donnés à l'église, 1166 baptisés en 3 jours. Ces gens-là ont accepté le message. Nous venons de parler tout à l'heure d'une petite église du pasteur Abraham. Où est-ce que vous les avez abandonnés? Dans la rue ou chacun va rentrer dans son église? J'ai dit au pasteur Abraham, devant tout le monde, il faut détruire ton église. Et construire une autre église. Ces gens-là, mais c'est impossible. Son église n'avait qu'une centaine de personnes. Parce que c'est ce qu'on dit à l'église. Parce que lui, là, il avait une petite église peut-être de 10-15 personnes. Maintenant, on baptise en 3 jours 1166. Hey. Et vous lui demandez de détruire pour reconstruire. C'est ce qu'on dit au Lukai Muningangam. J'avais demandé à toute cette population-là, est-ce que vous tongelaye église, pardon, l'église ou la Kokalisouté? La population avait dit oui. Mais je ne sais pas s'ils auront suffisamment d'argent pour faire ça. Vu que ça tienne. Je dis, pour entrer seulement au stade. Tout le monde voulait me toucher. Plus de 50 000 personnes dans le stade. Il n'obéissait plus à l'ordre de la sécurité. Pas du tout. Oh. Il y avait d'autres personnes sur le palmier, sur le... C'est que nous voyons là-bas. Les arbres. Sur le cocotier. Sur des gros camions et sur des clôtures comme ça. Oh. Sinon, si on tombe sur lui alors qu'il est là sur le palmier, il va tomber. Mais je les ai salués. Je leur avais dit que je vous vois. Ça me dépasse. Je vois que vous m'aimez. Pour que la voiture, la Jeep, la puisse entrer, ils ont bloqué l'entrée du stade. Que les pasteurs descendent.
Donc, on était là, juste. La voiture passait juste. Et tout le monde voulait me voir, me toucher. Pas seulement là, depuis la rue. Vous allez vous poser la question, mais la police pouvait mettre de l'ordre, parce qu'ils sont dans la rue. La police était incapable de maintenir l'ordre. Il y avait la police, il y avait l'armée aussi. Ils commençaient même à taper sur les gens. J'ai ouvert la vitrine pour dire, ne tapez pas. Ne tapez plus sur les gens. Mais c'est impossible. Il y a des choses qu'on doit chasser par un peu de coups de... un peu de coups de matraque, hein. Mon Dieu, je ne pouvais jamais imaginer ça. Donc, on avait baptisé 1166 personnes en 3 jours. Oui. Et puis... L'autre jour, là, c'était arrêté à cause de la pluie. Même sous la pluie, hein. Baptisé. On a vu des images. Oui. Les gens ne voulaient plus rentrer à la maison. Oh non, la pluie, c'est rien. Ils ont défié la pluie. Ils ont totalement défié la pluie. J'ai dit, est-ce qu'ils sont là? On me répondra, ils sont là. C'est déjà plein. J'ai dit, mais il pleut. Ils sont là, sous la pluie. Le frère Paul me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je dois aller. Et le pasteur, l'évêque de Sankourou est parti. Et puis il appelle. Pasteur Baroutia, il y a déjà. Mais la pluie était là. Sous la pluie. Je suis entré dans la voiture. Je suis arrivé jusque là, dans la Jeep rouge de frère Aplo. Oh, mais ils étaient sous la pluie. Parce que dans ces conditions-là, les gens qui vous ont aimé, qui ont aimé Jésus, qui ont attendu même sous la pluie, c'est que Dieu devrait faire quelque chose. Oh. Non, ce que Dieu a fait là-bas. Donnez-nous 2 d'abord. Dans mon ministère, je dirais, mon ministère a atteint le sommet. Ah bon? Oui. Dieu ne l'a jamais fait nulle part. C'est plus que partout. C'est plus qu'au stade, partout. J'étais dans les Bandundu, Équateur, ça c'est plus. Ah bon? Plus que mon passage à Guémena, c'est plus. Hein? Le cancer sort de la bouche comme ça. Grand comme ça. Où est-ce que c'était? Dans le nez? Le cancer de la femme. Sort là-bas. Vous avez vu les images? Gros comme ça. Où est-ce que c'était? Il y a une femme, depuis des années, elle avait un problème avec sa matrice. Et chaque fois, la matrice tombait, elle faisait un truc. Ayoka sonité devant les gens. Sinon, ça va s'arracher. Ça tombe et puis, des années. Elle a témoigné de ça. Et il y a un homme qui était demeuré couché, combien d'années, 10 ans. Couché. Malade. Hein? Paralysé. Cet homme a marché. Cet homme a été présenté devant nous. Quelqu'un qui a fait 10 ans. Paralysé. Et il va marcher facilement. Non. C'est ça. C'est ça. Les membres du corps se sont affaiblis. C'est fini, non? Oui. Quand les gens reviennent de la lune, ils savent plus marcher. On doit encore
les rééduquer, rééduquer les gens. Là, quelqu'un qui fait 10 ans, c'est la femme qui a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Agola c'est Lamba. Et puis c'est une femme solide. Hein. Jusqu'à la toilette. Jusqu'à la toilette. Et ça, c'est pour 10 ans. 10 ans. Je crois que cette femme, c'était. Ah, c'est une bonne femme. C'était réjoui. Et oui, de voir le mari marcher sur ses deux jambes. Oui. Ah. Pasteur, tout ce miracle-là, les exploits de Dieu, en principe, ça doit nous donner la foi de l'enlèvement, non? Écoutez, trois enfants nés aveugles dans une seule famille. Dans cette même famille-là, trois aveugles. Oboti aveugle, Oboti Moussous aveugle. C'est des enfants. Les enfants d'un chef coutumier. Ah, un chef coutumier. Pourquoi tu as dit ah? Je retire le mot. Attends, chef coutumier. On doit aimer tout le monde. Hein? Oui. Et les enfants ont vu. Ah bon? J'ai tendu la main, l'enfant m'a salué. Est-ce que tu me vois? Oui. Quel miracle! Dieu a fait là-bas. Moi, j'ai pensé que c'était simplement pour les aveugles. C'est plus de 10 aveugles qui ont recouvré la vue. 10. Ça s'est fait où dans mon ministère? Et le pasteur Élie était obligé d'arrêter les témoignages tous les jours. Vous voyez le nombre de gens. Il dit, pasteur Baroudia, qu'il n'est pas copé, moi. Il va encore faire et travailler demain. Qui se repose? Non. Donc, je n'ai pas. C'est le sommet de mon ministère. C'est pour ça que je vous ai demandé si ce miracle-là doit nous secouer pour nous donner la foi de l'enlèvement. Écoutez, c'est exactement ce que j'ai prêché. Hier dimanche. Nous ne savons pas quand Jésus viendra. Mais la vie du Seigneur est trop près qu'il faut que Dieu envoie des personnes comme nous pour montrer que c'est terminé. Jésus va bientôt revenir. Pour que ça leur donne la foi pour l'enlèvement. C'est ça le travail que je suis en train de faire. Pour qu'ils sachent que réellement Dieu existe. Et que bientôt, ce Dieu-là va nous appeler et nous irons sur les nuées. Je leur ai parlé de ça. Mais ils ont cru à ça. Ma prédication était pour préparer ces gens-là à l'enlèvement. Ah, mais fais pas aussi. Tu es le seul qui prépare les gens à l'enlèvement. Justement, pasteur. Vous vous dites que ces miracles-là nous préparent à l'enlèvement, oui. La seconde venue de Christ. Mmh. Mais maintenant, quand vous vous dites que vous préparez les gens à l'enlèvement et que les réseaux sociaux s'agitent, je ne sais pas, il y a à boire et à manger, ou soit ils ne comprennent pas ce que vous dites, ou soit c'est une révélation qui leur manque ou quoi. C'est trop facile. Tout ce que Dieu fait doit nous secouer pour nous montrer, comme vous avez dit, que Dieu existe et bientôt il apparaîtra. Et il y a quelqu'un que Dieu a mis devant nous qui nous montre cela. Est-ce que c'est un problème? Frère Jean-Marc. Oui, pasteur. C'est la vraie. C'est la vérité. Voilà. La chose est vraie. Oui. Mon ministère montre que réellement Dieu existe. Voilà. Ça, c'est un. Oui. Et deuxièmement, bientôt nous devons aller dans l'enlèvement. On doit se préparer. Voilà.
abandonné la vie sale, la vie des souillures que nous faisons et d'attendre la seconde fois. Passé Barou, tu as dit que nous faisons. Qu'est-ce que je peux encore dire? Je suis un homme. Deux fois, Dieu peut voir que ce que j'avais dit là, je ne vais pas le dire. Mais moi, vie de souillure, je n'ai pas trouvé ma faute pendant presque 50 ans. Je n'ai pas de vie de souillure. Répentez-vous. Laissez cette vie de souillure. Que les femmes ne font plus ce qu'ils font. C'est trop. Vous n'avez pas remarqué? C'est comme si on est encore au temps de Sodome et Gomorrhe. Les femmes sont très mal habillées. Qu'ils abandonnent ça. Le temps sodomique est revenu en force. Hein? Oui. C'est aussi un signe que le temps est fini. Oui. Si Dieu ne détruit pas, alors il doit ressusciter Sodome et Gomorrhe. Les pandémies doivent venir à cause de cette vie-là. Regardez les femmes aujourd'hui, c'est pas Barou qui parle. Et il y a des femmes qui ont refusé de mettre des sous-vêtements. Et d'autres qui mettent des sous-vêtements compliqués pour montrer leur forme. Je dois le dire. Ce sont mes filles. Bientôt nous allons partir. Croyez à ce message que Dieu est en train de vous dire aujourd'hui. Vous risquez d'être la personne qui reste et l'homme qui part, c'est ton mari, et toi tu restes sur le lit pour entrer dans les grandes tribulations. C'est fini. C'est fini. J'ai vu aujourd'hui, un garçon qui veut imiter les Américains. Donc, un pantalon sans ceinture. Il met son doigt ici pour me tenir le pantalon. S'il oublie, ça tombe. Pour que les gens voient quoi? Le sous-vêtement. C'est ça la mode. Aujourd'hui, quand je revenais du deuil, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, il est obligé de tenir ça comme ça. Et quand il marche, je deviens prophète parce que je connais maintenant son sous-vêtement. Je dis, c'est rouge. Mais s'il enlève ça, pouf! S'il enlève seulement son doigt, ça tombe. Un âge mauvais. On a eu beaucoup de pandémies, mais ils ne veulent pas se réveiller. On a eu le sida. Maintenant, nous sommes entrés dans le coronavirus. Après le coronavirus, il y aura des fléaux d'apocalypse qui vont s'abattre sur la terre. Avant que le jour redoutable n'arrive. Oui. Et c'est une façon de nous dire, en tout cas, préparez-vous, bientôt Jésus va revenir. Mm-hmm. Oui, pasteur, quand vous avez dit à Dallas, et la personne qui va vous conduire à un enlèvement, il est devant vous. Il y a eu agitation. Mais quelques temps après, vous-même, vous êtes revenu pour préciser. Vous pensez que vous aviez dit mal? Bon, je ne suis pas l'unique. Hein. Mm. Normalement, tout prédicateur doit prêcher le message de Frère Branham. Mm. Ce message de Frère Branham, Dieu lui avait dit, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. C'est Dieu qui parlait. Mais maintenant, nous qui recevons ce message, nous devons préparer la seconde venue. Ils sont fâchés pourquoi? Ah, mais peut-être qu'ils n'ont pas compris. Peut-être, bon, évidemment. Mais parmi nous, il y aura toujours des sceptiques.
Des personnes qui ne croiront pas. Oui, parce que... Le doigt coupé, Barou, tu touches ça, ça pousse. C'est moi qui fais la règle. Je ne peux pas vous mentir. Et ça, on... Jean-Baptiste connaissait le travail qu'il faisait. J'ai pris pour une personne morte. Il était tombé à l'église 5 mètres. Paf, mort. J'ai le plan. Je dis, reviens des autres. Il a ouvert des yeux. C'est pas tout le monde qui... Tu peux le faire, non? C'est pas tout le monde. C'est clair. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour continuer à sortir le Dieu de Branham de l'histoire. Oui. Ils ont eu Branham. Ils étaient dans la joie de voir des miracles, des résurrections, des personnes qui recouvraient la vue. Et après tout, était disparu. On était resté seulement avec La parole. La parole. Parole. A dit. Le Madame a dit. Le Madame a fait. Le Madame a fait le miracle. C'était comme une récitation. On récitait. Maintenant, il faut faire quoi? Et faire sortir Dieu. C'est-à-dire que la chose devienne... Nous devons faire sortir Dieu de l'histoire. Que la chose réelle apparaisse. Oui. De l'histoire. Des frères Branham. De l'histoire. Du message. Voici ce Dieu-là qui travaille avec Branham. Il va ressusciter le monde. Paf, l'homme revient à la vie. J'étais là avec eux. J'ai pris la photo avec tous les ministres qui étaient venus à Kakakoko. Pratiquement 267 pasteurs. Pasteur. À Kataoko. J'ai vu les feux étaient là. J'ai dit, la photo que vous prenez ici, vous verrez la colonne de feu. La colonne de feu n'était pas apparue. Bon, toi aussi, essaye. Vous prenez les photos, tu dis bon. Non, pasteur. C'est pas donné à tout le monde. C'est cela qui fait la différence. Tu n'es pas le pasteur Jean-Marc. Non! Non! C'est pas donné à tout le monde. Les ministres étaient là. Ils avaient pris des photos. Il y a une photo qu'ils ont amenée. Colonne de feu, tu n'as pas idée. Donc la colonne de feu est revenue dans l'église. Faisant les mêmes choses que fait Madame. Donc. C'est pour confirmer. Que la relève est faite. Elle est bien faite. Mais alors, c'est pourquoi, pasteur, moi je pense que tout ce qui s'est passé à Katako, les réseaux sociaux n'en parlent presque pas. Ils ne critiquent pas, au lieu de remercier le Seigneur pour ces œuvres-là. Mais ils sont derrière, ils suivent tout ça. Même cette émission est suivie par tous les sceptiques. Et quand ils critiquent les pasteurs Barout, c'est qu'ils suivent les prédications du pasteur Barout. Bien sûr. C'est que ce sont vos croyants en secret. Au lieu de suivre, c'est cela la conclusion, pasteur. Parce que personne ne peut critiquer quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, ils suivent vos prédications, ce sont vos croyants en secret. Ils vous suivent et ils font semblant d'aller dans leurs églises. Mais vous êtes leur vrai pasteur. C'est cela la relève, non, pasteur? Bien sûr. Ah, c'est qu'ils doivent le savoir qu'en faisant ce qu'ils font, c'est qu'ils confirment la relève. Bien sûr, ceux de l'Afrique. De l'Afrique du Sud, de l'Europe. Ils ont reconnu. Ils reconnaissent. Parce que quand ils font... Nous, maintenant, nous croyons voilà. Le ministère de frère. Ah, voilà. On devait arriver... À notre part, c'était les jeunes qui... Qui s'agitaient. Les jeunes qui réfléchissaient sur quoi? Les young people. Les jeunes se demandent. Ah, les jeunes s'interrogent. Maintenant, ils ne s'interrogent plus. Non, maintenant, ils voient la réalité. C'est fini. Ils ne s'interrogeront plus. Ils ont eu la réponse à leur interrogation. Il y a des miracles qui feront que la bouche des critiques soit fermée. Oui. Donc, Jésus qui était mort, on arrive là-bas, la tombe est vide.
Vous allez dire. Vous allez discuter sur quoi? Il n'est plus là. C'est cela. Lazare était mort. Moi, j'étais pas venu. Pour voir toutes ces choses. Jésus arrive là-bas. Lazare! Et Lazare. Vous allez discuter comment? Pendant qu'on voit Lazare, on ne peut pas discuter. L'événement vous donne la réponse. Et la bouche de Christ est fermée. Oui, pasteur, c'est comme si, depuis un certain temps, vous ne parlez plus de votre ministère. Non. C'est votre ministère qui parle de lui-même, par la manifestation de Dieu. Bien sûr. Je ne parle plus. Mais les gens me disent que c'est toi qui fais la vie. J'ai été partout dans le monde. Donc, beaucoup de villages de Bandung. Beaucoup. Qui l'a fait ou le fait? Comment le montre? Il n'y a personne. Non, les miracles, bon, les miracles mineurs, on peut le faire. Vous allez village après village après village. Vous êtes avec moi? J'ai fait tous les bandits jusqu'à sortir de la rivière Kouil. J'ai bu l'eau de la rivière Kouil. Qui l'a fait? Je suis entré dans la forêt des bandits avec une vieille Jeep là. Rodage. Je suis là. Je ne suis pas mort. Les arbres cognaient la Jeep. Et j'ai fait une grande réunion dans un petit village de Bato. Où est-ce que je n'ai pas été? Qui l'a fait? Je pense que c'est moi qui fais la réunion. Je suis allé à Jeffersonville. Quand vous quittez Seman Baram Tabenak, vous posez la question. Vous connaissez Joseph, non? Vous connaissez la maison de Branham, non? Vous connaissez le message de Frère Branham? Rien du tout. À Jeffersonville? Rien du tout. Zéro. Il n'y a même pas une église de message à Kentucky. Hein? Non. J'ai travaillé. Et maintenant, ils connaissent le message. Et ils ont enlevé l'idolâtrie. Il y avait une chaise là. Vous devez s'asseoir le frère Branham. Je pense que j'ai fait la réunion. Mais ils ont enlevé la chaise. Comment j'ai appelé ça? C'était la... Quand vous communiquez avec les morts. Ça, c'est... Le spiritisme. C'est le spiritisme. Je leur ai posé la question. Jonathan est encore vivant. Ici, Jonathan, mon fils, c'est le secrétaire particulier de Joseph Branham. Est-ce que ici, vous adorez Branham? Jonathan m'a dit oui. Tout Jeffersonville adore le frère Branham. Bien le frère Ferguson, il n'est pas pour moi, il mérite. Aujourd'hui, tout a changé, même si j'ai fait ça. Si je ne fais pas la relève, qu'est-ce que j'ai fait? C'est cela la relève, pasteur. Vous avez fait un grand travail. Est-ce que la relève de Moïse, c'était son fils? Non. Son fils s'appelait... C'est Gershom, il n'a jamais pu prêcher Gershom. Est-ce que Gershom a fait la relève de Moïse? Non. De Moïse, non. C'est Josué. Oui. Quand Moïse avait ouvert la mer Rouge, il lui a ouvert le Jourdain. Toi. Je vais faire en sorte que les gens comprennent que c'est toi qui fais la révèle. Tu vas ouvrir quoi? Le Jourdain. J'étais là, j'ai vu le Jourdain. C'est grand. Vous allez ouvrir ça pour moi. Mais, il l'a fait.
Même, il a fait même plus que Moïse. Il a arrêté le soleil. On l'a jamais appelé prophète Josué. Il a gardé seulement frère Josué. Frère Josué. Frère Josué. Mais il était un prophète. Oui, pasteur, avec tout ce qui se passe dans votre ministère et tout ce que vous faites, curieusement, le calendrier ne s'arrête pas. Vous vous avancez en âge. Vous prenez le risque de voyager dans des conditions très précaires. Vous n'allez pas arrêter, vous reposez un peu, pasteur. Ou vous voulez imiter Wesley, qui est mort à 84 ans, tout en travaillant pour le Seigneur. Reposez-vous, pasteur. Bon, Wesley, il a fait. Pourquoi pas moi? Je suis un soldat de Christ. Un soldat, un vrai soldat, meurt l'arme à la main. Et sur les champs de bataille. Sur les champs de bataille. Bientôt, je vais partir. Dans 2 jours, je serai... Encore un voyage. À Moanda. Oh là là. Pendant que les gens demandent que le pasteur reste encore et qu'il se repose. Mais oui. Mais moi, je ne vais pas me reposer. Les gens ont besoin de moi à Moanda. Je pars à Moanda. Ah bon? Et je... Après Moanda, je serai à Bom. Ah bon? Oui. Vous ne vous fatiguez pas? Jamais. Jamais. Vous tenez à continuer à travailler. Comment? Là où le devoir va vous appeler, vous irez. Je pars. Vous ne regardez pas la fatigue physique. Pour moi, même si je suis malade, j'irai prêcher. S'il faut servir le Seigneur, je serai. Vous y allez. Ah, quelle persévérance. Vous y tenez. Oui. Que le médecin dise ou qu'il fasse quoi, vous sur le travail du Seigneur. Je vais vous faire rire un peu. Aux États-Unis, on m'avait dit que vous êtes malade. Le poumon gauche n'existe plus. Oh. Dévoré par la maladie. J'ai dit, ah. Et je suis arrivé ici, j'ai vu mon médecin, frère Mbala. Docteur Mbala a regardé, dit, c'est vrai. Il m'a fait passer dans cette histoire-là. Il voulait faire sortir le pasteur Kissa Ndembo, Aboui. Je serai là. Mais non, c'est pas bien parce que les rayons, Ndembo dit, je serai là. Je suis passé, je suis revenu. Ils ont confirmé le poumon gauche ici, en tout cas. Il n'y a plus rien. Moi-même, j'ai vu ça. Un peu plus de panique, hein? Hein? Un peu de panique. Hein? Non, non, moi, je n'ai jamais eu peur. Ah bon? Jamais. 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 On vous confirme et vous voyez le cliché. Je vois. Que les poumons, c'est comme ça. Et on m'attendait où? À Lodja. Alors, le docteur Baladi, vous ne pouvez pas partir. Vous êtes malade. Vous devez encore rester dans le sol. Oui. Je devais pomper. Il y avait une bouteille là. On met les médicaments et moi je dois pomper. Et ça fait... Pour régénérer les poumons. Oui. Alors j'ai dit au pasteur de Lodja, je viens. J'ai dit, je vais vous faire rire un peu. Le débat a dit, tu ne parles pas. Ou alors, moi, je serai dans cet avion-là. J'ai dit, non. Laissez-moi pas. Moi, j'ai le docteur Jésus. Et maintenant, le docteur Jésus va transporter sur son dos le docteur Mbala. C'est pratiquement l'incrédulité. Non, c'est le docteur Jésus. N'est pas vraiment docteur. Là-bas, à Lodja, on m'appelle le docteur Jésus. Voilà. Partout dans le monde. Et vous amenez un docteur humain. J'amène sur mon dos un docteur humain. Non. Ah non, j'ai dit non. Il doit. Contre-façon. Ah oui, sinon, ils ne vont pas croire en moi. Mon colo a vu que la boubille et moi, je suis en train de me faire.
Et Dieu avait ressuscité l'enfant. L'enfant mexicain, c'était le temps de Branham. L'enfant est un enfant qui était sous la pluie, exactement comme l'enfant mexicain. Ah, vous étiez là. Cet enfant est revenu à la vie. Alors qu'il pleuvait, Dieu m'a dit, je ferai des grands miracles. Alors que les sorciers de l'autre là s'étaient réunis pour qu'il y ait seulement la pluie, la pluie, la pluie. On avait causé avec eux. Ils sont tous morts. Hein? Bon, moi j'avais dit, je vous pardonne. Et il y a l'un de là, celui qui avait sorti le problème, était parti se faire se faire baptiser. Il était venu même témoigner à l'assemblée et tout ça. Il a eu des problèmes avec ses amis la nuit. Et bon, il a eu des problèmes avec ses amis. Ses amis l'ont croqué. C'est sûr, il avait fini par là. Parce qu'il a trahi. Alors, les groupes. Le pasteur m'a dit, cet homme-là est déjà mort. On ne joue pas avec un vrai serviteur de Dieu. C'est ça. Et j'ai prêché la vérité là-bas. Il y a eu beaucoup de miracles. Les gens ont laissé des chaises roulantes, des personnes qui ont été opérées miraculeusement par des médecins. Et moi, j'étais au milieu de ces médecins. Des grands miracles. Donc, je dois vérifier encore. Et je suis rentré. Docteur Mbala, t'as la lissus. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Je dis rien. Ah, mais le poumon est là. Le poumon est revenu. Vous n'avez pas soufflé dans le poumon? Non. Je suis rentré à Dallas. Regardez un peu Dallas, ça dit, oh, mais le poumon est là. Ouais. Dieu a créé ça. C'est Dieu-là qui guérit les malades avec moi. Il ne peut pas me laisser malade. Il ne peut pas. Non. Mais il avait dit à Paul, sa grâce lui suffisait. Ça, c'était Paul. Moi, je ne suis pas Paul. Oui, pasteur, notre mission va décliner. Je dois demeurer humble pour que sa grâce soit encore sur vous. Soit encore sur moi. Je ne peux pas dire, oh, je ne suis pas pécheur. Non, oh, je suis plus que l'autre. Eh, je refuse. Pasteur, pratiquement une toute dernière question. Kinshasa a connu les deuils du pasteur Emmanuel Mbillé. Beaucoup de gens y allaient pour la consolation de la famille. Vous êtes parti, mais vos frères du message, curieusement, vous ont pris à partie sur les réseaux sociaux. Il semble que ceux du message sont dans un enclos du message. Ils ne peuvent pas aller chez les dénominationnels. Ils ne peuvent pas communier avec les autres. Et vous, vous avez brisé la frontière. Vous êtes allé à ce deuil-là. Est-ce que ce n'est pas un compromis par rapport au message, vous qui connaissez le message? Non, pas du tout. J'ai été chez celui qui m'avait invité là. Comment il s'appelle encore? Joël. Joël. Est-ce que le frère Branham y allait aussi? Bien sûr. Frère Branham ne prêchait que... La plupart des brochures que nous avons là, les prédications ont été prêchées chez les hommes d'affaires chrétiens. Ah, bon, ils ne sont pas du message. Qui ne croyaient pas, ils ne croyaient même pas le message. Même Pérégrine ne croyait pas au message. Ah bon? Il a amené lentement. Maintenant, Pérégrine quoi? Livelle. Ne croyait même pas au baptême au nom de Jésus. Lentement, Livelle a fini par croire au baptême. Mais il était dénominationnel. Pérégrine a fini par croire au message de Frère Branham. Mais Frère Branham est allé lentement. Moi, partout, je suis invité. S'il cite le nom de Jésus, vous y allez. Je pars. Je pars. C'est une très bonne question. Parce que là, je réponds facilement. Mais qu'est-ce qui bloque? Vos frères du message sont très sceptiques. Ah, comment les pasteurs vont se retrouver là-bas? Non, nous sommes des messages. Nous sommes un peuple mis à part. Son père, c'est Mbillé. Emmanuel Mbillé. Distribuer les brochures là-bas. Ah bon? Vous l'avez déjà entendu? Vous l'avez déjà entendu? Prêcher, oui. Mbillé de Colosi, il allait là-bas pour prêcher le message de Frère Madame.
Et les brochures de Frère Branham étaient distribuées là-bas et données ça aux gens. Il est bon, mais je dois aller là-bas. Parce que son œuvre là continue. Il a mis son fils. Vous savez, quand j'avais mis Carlos, oh, j'ai souffert. Toi, tu n'es pas mon fils. Moi, je vais te prendre pour te donner mon église à moi. Frère Madame a parlé. Il va mettre Billy Paul. Oui. Là, c'est normal. C'est normal. Quand Joseph a grandi, quand il parlait de Billy Paul, Joseph avait 4 ans. Quand Joseph a grandi, Frère Madame m'a dit quoi? Je vais mettre Joseph mon fils. Je lui donnerai ma Bible. Là, c'est normal. Quand je dis, moi, je vais mettre Carlos. Les chiens aboient, la caravane passe. Ce sont les choses qui arrivent, pasteur. Nous arrivons vers la fin, pasteur. Vous avez confirmé que dans quelques jours, vous avez un voyage vers Mwanda. Mais revenons à Katakokombe. Donnez-nous 2 miracles encore pour nous pousser à la prière que vous allez faire. Et frère, vous qui suivez cette émission, nous arrivons vers la fin de l'émission. Je vous avais dit que nous tous, nous avons besoin de la prière de l'homme de Dieu. Ceux des Katako ont vu le pasteur en face, ils ont bénéficié de la bénédiction du Seigneur. Nous, vous et nous suivons le pasteur Baruch. C'est la même personne que Dieu a utilisée. Il va parler et nous soyons révérencieux et ayons la foi. Nous verrons ce que les amis des Katako ont vu dans notre vie. Pasteur, à vous la parole. Je dirais ceci. Où est-ce que vous avez vu 3 aveugles d'une même famille recouvrir la vie? C'est seulement dans mon ministère. Lisez même le bouchon de Frère, vous ne trouverez pas. Celui qui fait la relève a quelque chose de plus. Plus de particulier. Oui. Pour que les gens voient que c'est lui. C'est lui. Ok. Comme Jésus avait arrêté le soleil. Moïse n'a pas vu. Où est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Katako? Posez-moi la question et répondez-moi. 10 aveugles. Il arrive, j'étais aveugle. L'autre, j'étais aveugle. L'autre, j'étais aveugle. Je ne voyais pas. 10. Moi, j'ai mis le brochure de les brochures de Frère Branham là. En Lingala, c'est moi. Je n'ai pas encore vu ça. Frère Branham prêchait dans des campagnes. Hein. Les gens étaient pleins. Et puis après, ils recevaient 2 ou 3 témoignages. C'est fini, ils sortaient. Mais 10 aveux. Vous avez un petit Jésus ici au milieu de vous. Bien sûr, faisons la relève du prophète William. Voilà. Et vous voyez maintenant que le Dieu de Branham, c'est le véritable Dieu et son nom est Jésus-Christ. Amen. Branham n'est pas notre Dieu. Moi, je ne suis pas votre Dieu. Vous avez un Dieu, son nom est Jésus-Christ. Et que bientôt nous serons enlevés. Peu importe la maladie que vous avez. Je crois que vous avez suivi dans les témoignages. Les cancers des Katakokombe, ça peut atteindre 10. Cancer de sein, cancer de. D'ici, c'était ici. Et c'était le sang qui descendait. Quand une femme bossue. Bossue. La côte de feu est descendue et la bosse commençait à partir. Peu importe le problème que vous avez un cancer de sein, vous êtes aveugle, vous ne marchez pas aujourd'hui.
Léo Ndo, Ndo Léo, vous serez guéri. Qu'est-ce que je peux dire? Tout. Dieu dans mon ministère a ressuscité les morts. Dieu dans mon ministère a fait des choses extraordinaires. Et je suis là devant vous. Avec des exemples, je dirais, précis et palpable de catacombe. Moi-même, je me suis dit, c'est pas possible. Mon ministère a atteint son apogée. Et je remercie Dieu. Et je vais prier pour vous. Croyez dans mon ministère. Exactement ce que Dieu a dit à Frère Branham. Si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières, même pas le cancer. Je veux prier pour vous. C'est ça. Oui, pasteur. Bien-aimé Jamal. Oui, pasteur. Tu veux que la, je le fasse? Priez pour vous, pasteur. Tu me le permets? Oui, pasteur. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Ils ont vu Jésus à travers mon ministère. Ils t'ont vu. Tu marches avec moi. Nous sommes devenus un. Je suis ton fils, Seigneur Jésus. Manifeste-toi. Que nous puissions recevoir du témoignage venant de cette émission. Toi, démon de cancer, sors de leur corps au nom de Jésus-Christ. Démon de la malaria, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de toutes les maladies des femmes, même du cancer de l'utérus, sortez de leur corps. Qu'ils soient guéris à cause de tes maîtrises, Seigneur. Tu étais mort à la croix. Il y a été écrit par ces maîtrises, nous sommes guéris. Qu'ils soient tous guéris. Que les aveugles puissent voir. Que les boiteux puissent marcher. Que les sourds-muets puissent commencer à parler. Et qu'ils amènent le témoignage. Pour que nous puissions encore une fois glorifier notre Dieu. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est toi, Jésus, qui as fait toutes ces choses à travers Paul. La Bible dit, le Seigneur Jésus a fait beaucoup de miracles à travers Paul. Et moi, j'ai dit, il a fait aussi beaucoup de miracles à travers Frère Baruti. Bénis-les, Seigneur, qui reçoivent le désir de leur cœur. L'élévation vient de toi, Seigneur, qui puisse recevoir de toi des grandes choses. Je suis ton serviteur. Que chacun de soit guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup à vous, fidèles et téléspectateurs et internautes, vous qui avez suivi cette émission, vous qui avez suivi cette prière. Le pasteur a dit que nous aurons besoin de témoignages. Appelez-nous à la RTVA et donnez vos témoignages. Nous sommes sûrs qu'il y en aura, comme il y en a eu autant à Katako. Que le Seigneur vous bénisse. Révérend pasteur, nous revenons vers vous pour vous dire merci. Vous avez été à la limite de l'excellence à notre mission. Je crois que nos bien-aimés qui nous ont suivis aujourd'hui diront que vous avez été au-delà de ce qu'on attendait. Je crois que l'onction de Katako, qui est ici avec nous, va traverser les caméras pour atteindre tous les frères et sœurs qui vont nous suivre. Merci beaucoup, pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Merci, bien-aimé, frère Jean-Marc. Ne m'abandonne pas. Non, pasteur. De temps en temps, viens ici, on fera l'émission. Oui, pasteur. Je suis là. Et je sais que la RTVA m'a beaucoup aidé. J'ai dit souvent, la RTVA a fait un grand travail. Merci, pasteur. Nous sommes flattés par ce mot. Pour que je sois visible. Oui. Non, c'est votre ministère maintenant qui fait votre visibilité. Nous vous accompagnons seulement. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Et vous qui nous avez suivis, que le Seigneur vous bénisse aussi. Nous vous disons avec le pasteur, au revoir. Et nous allons nous retrouver. Bye. Merci beaucoup. Je me lèverai pour recevoir l'onction pendant que vous nous regardez. Mais ne tombez pas. Non, je ne tomberai pas, pasteur. Je vais faire un effort pour résister. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Jean-Marc. Merci beaucoup. J'aurai toujours besoin de toi. Merci beaucoup.